Salut à tous, c'est Fabkik. Alors aujourd'hui, une bonne petite activité pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas encore, ceux qui sont hauts dans les niveaux et qui n'ont pas d'argent du tout. Bah, vous faites comme moi, vous allez dans une session. Moi, j'ai fait bugger une session publique, je suis seul depuis ce matin. Mais vous allez en session sur invitation et vous lancez des missions Star en ligne, créées par Rockstar et patati et patata. Sauf que là, écoutez bien, quand vous allez lancer la mission, quand il y a une mission où il n'y a pas de chronomètre, en fait, le but, quand vous lancez une mission comme genre celle-là, en faire Star en ligne, vous allez dans mission, dans activité, pardon. Vous jouez activité créée par Rockstar, vous allez dans mission, et par exemple, c'est celle qu'on va faire déjà. Vous allez dans hôtel funéraire, voilà, c'est celle-là. Donc là, je suis prêt, je vais pas la lancer maintenant. Voilà, c'est un exemple. Bon, voilà, c'est là, vous allez lancer cette activité-là. L'activité-là, elle n'a pas de chronomètre. Et le but, voilà, dès que vous lancez une mission, même moi, la mission, on essaye de la faire en 2-3 minutes. Et faut se dire que quand on fait une mission en 2 ou 3 minutes, on touche 25% de la somme globale qu'on devrait avoir à 100%. Ensuite, si on la fait entre 6 et 8 minutes, on n'a que 60%. Et malheureusement, malheureusement, après de 9, de 8 ou de 8 à 6, je pense, on a 70%. De 10 à 8, on a 90%. Et au-dessus de 10 minutes, en gros jusque 15 minutes, en gros, on risque d'avoir les 100%. Donc c'est une activité qui ne coûte pas 8 000, c'est des activités qui peuvent aller jusque 20 000 dollars. Donc le but malheureusement c'est de rester le plus longtemps possible. Donc là je vais vous présenter l'activité là. Et c'est pour ça, prenez une Kuruma blindée, puisqu'il y a des Wellbrech qui ont été patchés. Donc quand on va dans le Wellbrech, on meurt. Donc vous mettez en difficile, parce que franchement c'est tout con. Vous la lancez seul ou avec un ami, peu importe, mais vaut mieux seul si vous n'avez pas d'argent. Vous allez voir, je vais pas me faire 7 000 dollars parce que si on la faites là normalement et vous allez voir combien vous allez toucher. Et là, je vais la faire plus longtemps que d'habitude et vous allez voir combien je vais percevoir. En fait, le but c'est de rester le plus longtemps possible dans l'activité puisqu'il n'a pas de chronomètre. En fait, vous pouvez rester même, je sais pas, le plus. Regardez. Puis par contre aussi, j'ai remarqué à chaque fois qu'on lance une activité, regardez ce qu'on a. On a un véhicule qu'on nous donne. Par contre, j'ai jamais pu savoir si le véhicule qu'on nous donnait pour l'activité, on pouvait le mettre dans nos garages. Donc ça sera un truc à voir. Donc là, je suis pour faire l'activité. Donc je dois éliminer le témoin. Donc je pars éliminer le témoin. Donc là, vous, bingo, même moi, j'élimine le témoin et après direct, je vais ramener la preuve. Bah non. En fait, vous éliminez le témoin et le but, c'est au moins d'essayer d'avoir les 5 étoiles. Il faut essayer de rester le plus longtemps possible dans l'activité. Donc essayez de trouver un Wellbrech, mais je pense que les Wellbrech, ils ont été patchés, donc c'est triste. Bah c'est comme ça, quoi. Donc là, fallait un peu tuer la femme, mais je l'ai tuée. Maintenant, je vais prendre une photo. Voilà, pour son mari. Ça, c'est fait. Maintenant, je m'en vais. Et le but, maintenant, comme vous voyez, j'ai la police. Le but, c'est de semer la police et après de ramener les preuves. Bah là, bah le but, vous partez. Bien sûr, le but c'est d'avoir aussi la police. Attention, oui, ou très important, parce que si je n'ai plus la police, évidemment, après ça va me donner le trait jaune. Donc je vais attendre que la police arrive, et à partir de là, c'est carnaval. En fait, le but c'est pas d'avoir le trait jaune maintenant. Il faut essayer de tenir dans l'activité un bon 10 à 15 minutes pour avoir les 100%. De la somme de l'activité. Donc là, on va voir quoi. Je vais voir. Donc n'hésitez pas à la faire vu que le DLC, je pensais qu'il devait arriver demain selon les dires de certaines personnes. Et en fait, non. Il sort le 13 mars. Donc c'est dans une semaine. Donc les gars, qui n'ont pas de thunes, vous allez en session publique et faites beaucoup d'activités PDG, beaucoup d'activités. Moi, c'est ce que je fais depuis 2 jours. Regardez mon level et vous allez voir que j'ai augmenté de 2 levels. Et pourtant, vous avez vu, je fais des vidéos et j'ai pas le temps de faire des rapprovisionnements et des patatis et des patatas. Donc je fais que ça en fait.
Et là, bah, là c'est pour les débutants. J'essaie de vous présenter une activité pour vous. Par contre, il me faut la police là. Il faut pas que j'ai le Trigone maintenant. Si j'ai le Trigone maintenant, bien sûr, ça va pas faire 100%. Donc là, je vais faire ça. Voilà, allez, 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 allez. Au moins 4 étoiles, allez, après 5. Donc là j'ai 3 étoiles, je suis toujours dans l'activité. Hein. Donc pour Martin ou je sais plus qui, bah, l'activité elle est toujours en cours. Ah, je peux pas tirer derrière. Petit malin. Allez les gars. Ah ça fait une petite vidéo détente, ça change. De toute façon les glitches sont toujours opérationnels, donc je vais pas les représenter, il n'y a pas besoin de les représenter, il n'y a plus qu'à faire. Par contre oui il y a un glitch sans Avenger, mais bien sûr il faut être à deux. Je pense qu'il faut avoir déjà les deux mêmes complexes, je suis pas sûr, mais en tout cas il faut déjà les deux complexes, pareil, ça c'est sûr et certain. Et ensuite si vous êtes synchro, bah là vous pouvez bien sûr les enchaîner. Moi perso le glitch là je ne l'ai pas essayé donc je peux pas vous en parler. Mais je sais qu'il est toujours opérationnel. Donc vous regardez la vidéo de GTA 5 Helper et il en parle. Comme quoi qu'il est toujours opérationnel. Et je vais vous montrer un petit secret. Moi j'ai que 3 étoiles. Pourtant c'est pour une activité, c'est vrai c'est ridicule, mais c'est pas l'activité, en fait on s'en fout un peu une fois qu'on a fait l'activité, c'est comme déni de service pour trouver des véhicules. Là l'activité là bah, elle sert pareil, peut-être pour déni de service c'est pareil, il n'y a pas de chronomètre, s'il y a un chronomètre 10 minutes. Donc non, ce n'est pas pareil. Là, il n'y a pas de chronomètre, donc on peut se permettre. Et moi, perso, une fois que j'arrive là, maintenant, je ne sais pas si ça a été patché ou pas. Maintenant, on verra bien. Si ça n'a pas été patché, ben, on finira en beauté comme ça. Parfois, j'ai pas eu les 5 étoiles, c'est dommage. Donc, je fasse un massacre, je pense. Hein. Admettons, genre, ça. Si je fais ça, j'ai la police. Bon, ah oui, ils arrivent, mais en retard, comme d'habitude. Donc les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, bah regardez bien. Hop. Une fois que vous avez descendu du pont, ce que vous allez faire, c'est demi-tour. Et le... Oh, ça me merde. Oh, j'ai même pas le temps. Wow, bon, j'avoue, c'est ma faute. Donc vous faites demi, merde, vous faites demi-tour, oui, par un... vous repartez en sens inverse, vous passez là. Là vous faites ça, là vous faites ça, et vous vous mettez là. Que je dis pas de conneries, non, 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 c'est pas là que, non, non, là, vous mettrez où, moi je vais me mettre personnellement. Hein. Bon là ça va être chaud parce que je sens que je vais mourir. Non j'ai pas. Il y a un peu trop de police à mon goût. Ça mérite un petit carnage. Voilà. Là j'ai peut-être une chance de vous montrer. Donc le but, il faut vous placer juste là. Non, pas là, comme ça, putain. Comme ça. Voilà, vous vous placez comme ça. Et vous montez. Comme ça, et voilà. Bon, là, a priori, je suis pas mort.
Donc c'est nickel. Et maintenant, bah, vous attendez. Je sais pas si on peut tirer à travers par contre. Non, vu la façon qu'il pose son arme, non. Donc là, oui, je sème la police. Hein. Faut semer la police, je les sème. Ah, là, on peut. Bah, ça fait une petite activité détente. Hein. Un petit well-brèche tranquille. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est la somme. Et... Ah, je peux pas tirer sur eux. Ah, c'est dommage, ça. Si, je repars. Je peux pas repartir. Non. Voilà, j'ai semé la police. Bon, bah là, la mission, elle est finie. Maintenant, c'est à moi de sortir de ce Wellbrech. Comme j'y viens très peu. Ah bah, ça va, bingo. Ah bah, sans le faire exprès. Allez, hop. Donc, à partir de là, on a fini l'activité. Je sais pas combien de temps je suis resté. Je sais pas la vidéo, combien de temps elle va durer. Mais en fait, je vais toucher la somme du temps que la vidéo aura duré. Sauf les 2-3 premières minutes où j'aurais parlé un peu. En espérant que, ben, bien sûr que c'est une activité qui vous aura plu. Moi, ce que je veux, c'est vous faire plaisir, que vous gagnez de l'argent, que vous dites « Ah oui, c'est vrai, il y a cette activité-là qu'on peut faire. » Vous voyez. Comme là, après, si je veux, là, tout de suite après, je relance tout de suite une activité PDG et j'arrête pas la vidéo pour vous montrer que je me mets en PDG. Je relance directement une activité, je me fais tout de suite 30 000 $. Ensuite, je démissionne, je refais une mission comme maintenant, je me refais 20 000 $ et je refais une mission comme avant. Et en 5, même pas en une heure, vous faites 150 000 $. Donc franchement, les gars, allez-y, il faut y aller. Comme là, moi, après, je vais faire ma vente. Ça fait en 3 jours, j'aurais fait 3 ventes de cocaïne tout seul. Je fais mes rapprovisionnements, bien sûr, je les achète, je peux me permettre. Je reste dans la session, j'essaie de trouver des idées ou quoi. Et ensuite, comme là, bah, je viens de faire mon rapprovisionnement, j'ai fait la mission pour vous. Et maintenant, je vais aller voir où ça en est. Et après, bien sûr, je ferai ma vente. Donc, ceux qui ne savent pas faire bugger le réseau en 800, bah, dites-le moi dans le commentaire. Et bien sûr, je vais vous l'expliquer. Ou regardez l'une de mes premières vidéos, j'explique comment se met en réseau 769. Bah, à la part de marquer 769, il faudra marquer 800. Et là, franchement, on me rejoint pas. De toute façon, là, je suis en activité. Même qu'après, je vais quitter l'activité, je serai toujours seul. Donc là, l'activité, elle a duré franchement un bon petit moment. Donc j'espère que les 20 000 $, ils sont mérités. Hein. Après, on n'est pas obligé de tirer et tout, mais le but, si vous avez plus de policiers, vous allez avoir directement le GPS. Après, oui, vous pouvez tourner en rond. Mais vous ferez pas d'RP, vous ferez rien quoi. Tandis que là, si vous semez la police, vous faites des RP. Donc je sais pas. Après, merde, c'est quoi sa mère. Moi, c'est des activités, franchement, que je fais presque jamais. Maintenant, je me suis dit, pourquoi pas les montrer aux débutants pour qu'eux aussi puissent les faire tout seul. Pas obligé d'être avec un ami, tu peux jouer tout seul. Et c'est pour ça que je vous conseille la Kuruma, comme ça la Kuruma elle peut tenir, elle peut faire un ennemi public, donc bien sûr elle va tenir l'activité, ça c'est clair et net. Donc bah là, bah, si vous suivez la vidéo jusque la fin, ou si vous l'aurez avancé, tant pis, bah, sinon vous allez voir combien je vais me faire, j'espère que... Bah, c'est sûr, c'est pas 100 000 $, attention, hein. Quand je dis c'est 20 000, pas plus. Tout à l'heure, je l'ai tenté 16 000, donc je pense que je suis pas resté assez longtemps. Là, je pense que je suis resté un tout petit peu plus longtemps. Après, bien sûr, je fais pas de vidéo, évidemment, je tenterai au moins une heure. Mais ça vaut pas le coup de la vidéo. Ou il faudrait que je commence vers la fin. Donc là, on va arriver... Oh merde, j'ai dépassé le poids de livraison. On va aller voir Mr. T, là, je sais pas qui est, mais on va aller le voir. Vas-y, bouge. Hop. Donc là, l'activité, bah, logique, c'est réussi. Maintenant, c'est le salaire.
Donc 15 JP, en espérant que ça aura payé. Non, 18 000. Donc faut rester encore plus longtemps. Donc les gars, je vais quand même poster cette vidéo. Faites-moi confiance, restez plus longtemps dans l'activité et vous verrez que vous allez monter à 20 000, voire 20 600. C'est juré, promis. Donc voilà. Moi perso, j'ai kiffé l'activité, je la quitte. Par contre, je vais la poster, mais n'hésitez pas à les faire. Croyez-moi, faites-moi confiance. Donc voilà. Donc sur ce les gars, c'était FabKick. Je vous ai reproposé une activité avec quelques astuces. N'hésitez pas à rester longtemps. Moi, c'était pour la vidéo. N'hésitez pas à les faire. Mettez-vous en session buggé 800. Faites vos rapprovisionnements et entre deux, vous lancez une activité. Même vous mettez en PDG, peu importe. Vous avez plein d'activités que vous pouvez faire seul. Donc faites-les et vous allez voir, vous allez pouvoir vous payer l'Avenger et ensuite ou le complexe ou autre. Et ensuite on pourra faire des glitches à venir. Attention, donc préparez-vous maintenant. Donc voilà les gars, sur ce c'était FabKick. En vous souhaitant une très très bonne soirée, je pense ne plus sortir de vidéo sauf si on me dit que le glitch a été patché. Sinon je vous souhaite une très très bonne soirée et j'espère à demain. Bye bye.